Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Dans le mini-épisode précédent, on s'était attaqué au sac pour ma découpeuse vinyle pour la protéger de la poussière et surtout pour pouvoir avoir au même endroit aussi bien la découpeuse que l'alimentation et le câble USB. Là aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de la découpeuse en elle-même. Ce modèle-là, c'est une Silhouette Cameo 3 qui coûte à peu près 300 balles et que j'ai acheté chez Créadésif qui n'est pas un sponsor. L'utilité de cette découpeuse vinyle, il y en a plein évidemment. Vous pouvez d'abord commencer par faire des stickers, vous pouvez faire des masques pour de la peinture, vous pouvez faire des masques si vous voulez faire de la... Enfin bref, des utilisations, il y en a plein. Et là en fait, je me suis un peu foiré dans les settings de la découpeuse vinyle et la découpeuse n'a pas bien découpé. Donc je vais prendre un autre bout de vinyle, le mettre sur l'élément de transport et on va s'attaquer à la partie logicielle. Ils fournissent un logiciel spécifique mais qui franchement est un peu foireux et moi j'utilise le plugin qui va bien pour Illustrator. Je prépare bien sûr mon design, je merge certains éléments et surtout je rajoute des lignes de découpe pour que l'échenillage soit plus simple et là on verra ça un tout petit peu plus loin. Rien non plus de bien compliqué, je le balance sur le plugin, je sélectionne le bon matériau, je règle un tout petit peu les settings et je peux lancer ma découpe sur ma découpeuse vinyle. Et là, elle fait son travail. Je ferai peut-être un épisode sur mon avis sur cette découpeuse vinyle. Là, c'est pas le but, c'est juste de vous démontrer un petit peu les capacités et qu'est-ce que je peux faire avec. Là, rien de bien difficile, on la laisse travailler tranquillement. Alors c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage par rapport aux settings, la force, l'épaisseur, le niveau de la lame, etc. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais c'est pas très difficile et c'est plutôt simple à utiliser. Si vous maîtrisez un tout petit peu, un logiciel de dessin vectoriel type Illustrator ou Inkscape. Là, c'est la partie un petit peu chiante du processus, c'est ce qu'on appelle l'échenillage, c'est-à-dire enlever les morceaux qui ne doivent pas apparaître sur le sticker final. Et là, on voit que justement, la préparation porte ses fruits, puisque l'échenillage se passe extrêmement bien, sans aucun encombre et sans aucun élément qui marche pas bien. C'est un boulot un peu ingrat, mais c'est indispensable. Que dire d'autre ? Pas grand chose, c'est une machine qui est géniale, enfin, moi j'adore, j'en avais une plus petite qui depuis marche plus trop bien et surtout est plus adaptée au nouveau type de logiciel, donc celle-là va me servir beaucoup. Je mets bien sûr un film de transport pour pouvoir ensuite découper et coller les différents éléments et là justement on va le coller sur le capot de ma nouvelle machine. C'est relativement simple, ça se passe très bien. Voilà, à bientôt.